grandes excellences, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous en sommes arrivés à la séance de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa 2023. Et cette séance de clôture consistera essentiellement au discours de clôture que prononcera Son Éminence, Prédomain Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et président de la CIPKI. Excellence, Messeigneurs les évêques, frères et sœurs dans le Seigneur, au terme de nos assises de Kenge, j'éprouve des sentiments de joie et de satisfaction au regard du travail que nous venons ensemble d'accomplir. J'avoue que le rythme du travail était intense, mais nous pouvons nous satisfaire de ce que chacun et chacune de nous, les cœurs à l'ouvrage, a donné le meilleur de soi-même. Notre gratitude envers Dieu est d'autant plus grande que nos appréhensions du début étaient bien réelles et légitimes au regard de la situation sécuritaire de l'air. Tout s'est pourtant bien déroulé. Nous en rendons grâce à Dieu. De même, je bénis le Seigneur qui nous a permis d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette session ordinaire que nous allons clôturer demain avec la célébration eucharistique, avec le peuple de Dieu en la solennité de l'ascension de notre Seigneur. Excellences, mes seigneurs, les évêques, frères et sœurs dans le Christ, outre les visites pastorales dans nos maisons de formation et les matières classiques prévues à l'ordre du jour et débattues en plénière, paysage socio-pastoral de nos différents diocèses, audition des rapports des commissions épiscopales et autres commissions ad hoc, le huis clos, notre assemblée est également revenue sur le voyage apostolique de sa sainteté, le pape François, en République démocratique du Congo, notre pays. Ce fut une véritable expérience de mont à bord, et c'est à peine si nous en recueillons encore tout le fruit. Notre Assemblée s'est aussi penchée sur les conflits et l'insécurité qui prévalent actuellement dans les provinces administratives de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Les échanges et les réflexions menées à ce sujet ont débouché sur un message de pères évêques dont la teneur sera dévoilée demain au peuple de Dieu et qui a pour titre « Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces ». En somme, ce furent des jours d'intense concentration, de partage d'expériences et d'informations pour un travail de qualité dont chacun de nous ne peut que légitimement se réjouir. Voilà pourquoi je m'empresse de vous féliciter pour cela. Les différents PV de nos séances quotidiennes que le secrétariat exécutif mettra, le moment venu, à votre disposition, vous renseigneront davantage sur le contenu de nos échanges et de nos réflexions. Je nourris l'espoir que nous en tirerons le meilleur trésor possible pour le rayonnement et la vitalité de notre province ecclésiastique. Aussi, je remercie les pères évêques pour ces instants de communion fraternelle, de synodalité et de collégialité dans la recherche de pistes de solutions aux défis socio-pastoraux de notre province ecclésiastique. Ensemble, nous avons une fois de plus assumé notre charge de pasteur pour le bien de la portion du peuple de Dieu confiée à notre sollicitude pastorale. J'exprime également ma gratitude
à nos différents invités pour la qualité de leurs interventions et de leurs apports qui ont permis aux évêques de prendre la mesure du travail qui se fait au niveau de nos structures provinciales, de réfléchir en connaissance des causes, de donner des recommandations et de prendre des décisions qui s'imposent. Ainsi, à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, à Sebkin, tenue à Kenge du 16 au 21 mai 2023, nous, cardinal et évêques, membres de la Sebkin, avons pris les décisions et formulé les recommandations suivantes. Décision. Première décision, l'abbé Guillaume Mingiebe du diocèse d'Idiofa a été nommé secrétaire général académique de l'Université catholique du Grand Bandundu. Deux, l'approbation du budget annuel de nos séminaires et de nos institutions universitaires avant la rentrée académique par l'archevêque ou par l'évêque du lieu d'implantation pour chaque institution. Trois, la prochaine session de notre assemblée plénière édition 2024 se tiendra à Kinshasa. Recommandation. 1. Que la COSUMA provinciale actualise et mette en ligne la liste des congrégations qui œuvrent dans la province ecclésiastique ainsi que leurs adresses. 2. Que les évêques du Congo central suivent les dossiers relatifs à la création de l'Université catholique du Congo central, par la mise en place d'une commission ad hoc chargée de présenter son rapport dans un meilleur délai. 3. Que les institutions universitaires Omnia Omnibus et l'Université catholique du Grand Bandundu travaillent en collaboration pour l'aboutissement du dossier de la reconnaissance par Rome de leurs facultés ecclésiastiques. 4. Que les recteurs de nos maisons échangent des expériences dans tous les domaines, surtout en matière d'initiatives de prise en charge de nos séminaires. 5. Que les efforts d'appropriation des différents messages du pape François lors de son voyage apostolique en RD Congo soit poursuivi et intensifié à tous les niveaux pour en tirer le meilleur trésor possible. 6. Que soient poursuivies les réflexions pour la mise en place des tribunaux ecclésiastiques provinciaux en connivence avec la commission juridique de la Syncope. 7. Que les autorités de l'Institut supérieur catholique de Kinshasa travaille d'arrache-pied à la finalisation du dossier de la fermeture de cet institut. En concluant ces assises, je voudrais réitérer mes félicitations et mes remerciements à chacun de vous pour la participation active et le sacrifice consenti pour la grande réussite de ces assises. Vous avez dû parcourir de longues distances pour être ici à Kenge. Cela montre tout l'intérêt et toute l'importance que vous accordez à notre Assemblée. Je remercie en votre nom et au mien propre Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba et toute l'équipe organisatrice du diocèse de Kenge pour avoir rendu agréable notre séjour de travail ici. J'y joins l'équipe technique et les services de médias qui ont couvert nos travaux. Je souhaite à chacun et à chacune
un bon retour et une bonne reprise de ses tâches quotidiennes, dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine en bonne santé par la grâce de Dieu à Kinshasa. Puisse la Vierge Marie Notre-Dame du Congo et Reine de la Paix nous assurer les bienfaits de son intercession maternelle. Sur cette, je déclare clos les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2023 à Kenge et je vous remercie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.